Yes. Oui. So if Jesus died, et donc si Jésus est mort, if Jesus went si to Jésus hell, fut en, and est descendu Jesus en enfer, rest from et the si dead, Jésus était ressuscité d'entre les morts, then this has been accomplished. Alors ceci a été accompli. That he came, il est venu that through death, afin que par sa mort, he would defeat, il anéantisse and destroy, et détruise he that had power, celui qui a le pouvoir of death, de la mort, the devil. C'est-à-dire le diable. Ephesians 4. Ephésiens 4. Gradually we are seeing what the devil, what Jesus did to the devil. Nous voyons ce que Jésus a fait au diable. Hallelujah. From verse 8. Ephésiens 4 verset 8. Let's start from 7. On commence au verset 7. Ephesians 4 verse 7. Ephésiens 4 verset 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Wherefore, c'est pourquoi he said, il est dit, when he ascended up on high, étant monté en haut, he led captivity captive, il a emmené des captifs and gave gifts unto men, et il a fait des dons aux hommes. Before Jesus went up into heaven, avant que Jésus ne monte dans les cieux, he took captivity captive, il a emmené des captifs. I want you to translate the English one. I like that one. He took captivity captive. Il a pris des captifs captifs. Hallelujah. The things that Jesus, the devil used. Et donc les choses que le diable utilisait the man in captivity, pour maintenir les hommes en captivité. Poverty. La pauvreté. Sickness. La maladie. All the vices. Tous les vices. He took it. Il les a pris. He took it. Il les a pris. So anything that the devil used. Et donc tout ce que le diable devait utiliser you, pour te distraire. Jesus took it from Jésus him. Lui a arraché cela. He says he led captivity captive. Il a emmené des captifs. And he gave gifts et to il men. A fait des dons aux hommes. Apostles. Des apôtres. Teachers. Des enseignants. Evangelists. Des évangélistes. Prophets. Des prophètes. Doctors. Des docteurs. Why? Pourquoi? So that they will be able, afin qu'ils soient capables, to teach, d'enseigner, the saints, aux saints, about what they have, ce qu'ils ont, their inheritance, leur héritage Christ, en Christ, and to bring them up, et de les emmener, into maturity, à la maturité, for the work of the kingdom, pour l'œuvre du royaume. So you see, et donc vous voyez, Jesus came, Jésus est venu, to do a work, faire une œuvre, and he finished the work, et il a accompli cette œuvre. He paralyzed the devil, il a paralysé le diable, he took everything from the devil, il lui a tout arraché, and repositioned us, et nous a repositionné, in our original position, à notre position originelle, in Christ, en Christ. So he placed us where God planned for us, et donc il nous a placé là où Dieu avait prévu so pour we nous. Are back to our original et position. Donc nous sommes de retour à notre position originelle. Hallelujah. We are back to our original position. Nous sommes de retour à notre position originelle. Now, in our original position, et à notre position originelle, without Jesus, sans Jésus, we cannot do anything. Nous ne pouvons rien faire. The Christian life, la vie chrétienne, is a walk with Christ, est une marche avec Christ. Is a walk with the Spirit. C'est une marche avec l'Esprit. So without Jesus, et donc sans Jésus, we cannot do anything. Nous ne pouvons rien faire. Let's see John 15, 5. Voyons Jean 15, verset 5. John 15, verse 5. Jean 15, verset 5. Jesus said, Jésus dit, I am the vine, je suis le cep, and ye are the branches, et vous êtes les sarments. He is the vine, il est le cep, and we are the branches, et nous sommes les branches. So it means that we are connected ça to veut dire him, que nous sommes connectés à lui. Our source of life, notre source de vie, is connected to Jesus, est connectée à Jésus. The branches, les branches, will only survive, vont seulement survivre, if the stem, si brings in, la sève, anything that the branch needs, produit tout ce dont les branches ont besoin pour survivre. Hallelujah. So he said, he that abideth in me, celui qui demeure en moi, and I in him, et en qui je demeure, the same bringeth forth much fruit, porte beaucoup de fruits, for without me, car sans moi, he can do nothing. Vous ne pouvez rien faire. So in this world that we live, et donc dans ce monde dans lequel nous vivons, after Jesus has come and he has saved us, après que Jésus soit venu et qu'il nous ait sauvés, to have a glorious life, il nous dit pour avoir une vie glorieuse, you must abide in him, vous devez demeurer en lui, you must abide in his words, vous devez demeurer dans sa parole, you must walk in his vous devez marcher dans sa parole, and allow him to abide et lui in permettre you de demeurer en vous, let the Holy Spirit work, que le Saint-Esprit agisse au travers let the de word vous of God be que in la parole your spirit de Dieu soit en votre esprit. He says, if you allow il that, dit si vous permettez cela, you will bring much fruit, vous allez produire beaucoup de fruits, your life will be from votre glory vie ira to glory, de gloire en gloire, from success de succès to success, en succès. Hallelujah.
So sometimes you ask, et donc, is it true that somebody can be a Christian? Est-ce que c'est vrai que quelqu'un peut être chrétien? And still go through certain things? Et encore traverser certaines choses? Yes. Oui. It is clear here. C'est clair ici. It's when you come out of your source. Lorsque tu te détaches de sa source. You don't have any supply. Tu n'as plus de fourniture. But as long as you are connected. Mais aussi longtemps que tu es connecté. It says you will bring forth much fruit. Il dit tu porteras beaucoup de fruits. Hallelujah. So to be productive in life, et donc pour être productif dans la vie, depends on your connection. Cela dépend de ta connexion. If you stay connected, si tu demeures connecté, hallelujah, hallelujah. You see, we have light here because there's a switch. On a la lumière ici parce qu'il y a des extincteurs. And this is connected to the source. Et c'est connecté à la source depuis la CIE. So when you put it off, et donc lorsque tu éteins, the light will go off. La lumière s'éteint. Do you call it extincteur? Les interrupteurs. Interrupteurs, okay. Pardon. When you put it off, lorsque tu éteins les interrupteurs, the light will go off, la lumière s'éteint, and there will be darkness here. Et il y aura l'obscurité. Does that mean that you don't have a source? Est-ce que ça voudrait dire que tu n'as pas une source of electricity? D'électricité. You have the source. Tu as une source d'électricité. But it's because you are disconnected. Mais c'est parce que tu es déconnecté. Hallelujah. As long as it is off, aussi longtemps que c'est éteint, the light will not come. La lumière current ne parvient will not pas. Come. Current will not flow. Le courant ne coule pas. So you will not receive light. Et donc tu ne recevras pas and de you lumière. Walk in darkness. Et tu vas marcher dans les ténèbres. And when you are in darkness, mais, et quand tu es dans les ténèbres, you are a lot of danger. Il y a beaucoup de dangers. You can hit your foot to the wall. Tu peux, ton pied peut cogner le you mur. Can hit your head to the ceiling. Ta tête peut cogner quelque chose. Yes. Oui. Hallelujah. So as long as you disconnect et donc, from Christ, dès que tu te déconnectes de Christ, you risk tu risques going through all sorts of things de traverser toutes sortes de choses you don't want to go. Que tu ne veux même pas. Is it the fault of Jesus? Est-ce que c'est la faute de Jésus? No. Non. Is it the fault of God? Est-ce que c'est la faute de Dieu? No. Non. It's my fault. C'est ma faute. It's your fault. C'est ta faute. Because I put it on. Parce que j'ai allumé. Hallelujah. So if you want to enjoy, et donc si tu veux jouir, come back. De cela, reviens. Put it on. Allume. And you have light. Et tu vas avoir la lumière. Hallelujah. Hallelujah. Oh, give the Lord a donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Hallelujah. So when we give our life to Jesus, et quand nous donnons notre vie à Jésus, we stay connected. Nous devons demeurer connectés. Hallelujah. Sometimes when you walk in the darkness, souvent quand tu marches dans les ténèbres, the demon will come and give you cocotte. Les démons vont venir te donner cocotte. And run away. Et fuir. Not because he's strong. Pas parce qu'il est fort. Because he sees you can't find him. Il voit que tu peux pas le trouver. Because you have been detached from your parce source. Parce que tu t'es détaché de ta source. Hallelujah. But as long as you are maintaining aussi your source, que tu maintiens ta source, you walk in glory. Tu marches dans la gloire. In success, dans le succès. Succès victory en succès. To victory. Victoire en victoire. Glorious life. Une vie glorieuse. Divine health. Une santé divine. Hallelujah. That is what he came to do. C'est ce qu'il est venu faire. So that all those who believe in him, de sorte que tous ceux qui croient en lui, will come from the kingdom of darkness, quitte le royaume des ténèbres, into that kingdom, et entre dans ce royaume. That is what he came to establish. C'est pour ça qu'il est venu et c'est ce qu'il est venu établir sur terre. And he finished it. Et il a accompli when cela. You give your life to Jesus, donc quand tu donnes ta vie à Jésus, you are transported into that tu kingdom. Es transporté dans ce royaume. Hallelujah. And in that kingdom, et dans ce royaume, we are all ministers. Nous sommes tous ministres. Hallelujah. Hallelujah. So that is what he came to do. Et donc c'est ce qu'il est venu faire. And he finished it. Quand il a fini cela, in that kingdom, dans ce royaume, it is full of kings. Ce royaume est plein de rois and priests. Et de sacrificateurs. You are a king. Tu es un roi. You are a priest. Tu es un sacrificateur. I am a king. Je suis un roi. You are a priest. Tu es un sacrificateur. La Bible dit we are a chosen generation. Que nous sommes une race élue. A royal priesthood. Un sacerdoce royal. A holy nation. Une nation sainte. A peculiar un people. Peuple acquis. We are different from the nous world. Sommes différents. When you give your life to Jesus, lorsque tu donnes ta vie you à Jésus, a new creature. Tu deviens une nouvelle création. The spirit of God l'Esprit de Dieu comes into your spirit, entre en ton esprit and mixes with it, et se mélange avec ton esprit one. Et devient un. You become a new creature. Tu deviens une nouvelle création. The Bible says, all things la Bible dit are les away. Choses anciennes donc sont passées. The life of the blood has la passed vie away. Du sang est passée. You have a new life. Tu as une nouvelle that vie. Is the life of the Spirit, qui est la vie de l'Esprit, the life of God, qui est la vie de the Dieu, life of Jesus, la vie de Jésus, Zoé. So you live according to the Spirit, lorsque tu vis selon l'Esprit, you live according tu to vis pardon, selon l'Esprit, and not by blood. Et non selon le sang. Hallelujah. That's why we can do all things. Et c'est pourquoi nous pouvons toutes choses through Christ Jesus. Par Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So he came to establish et donc il est venu établir cela. So brother, donc frère, you have been enthroned. Tu as été intronisé. You already been enthroned. Tu as déjà été intronisé. You have been enthroned, tu as déjà été intronisé. Sister, you have been enthroned. Ma soeur, tu as été intronisé. We are kings. Nous sommes des rois. We are priests. Nous sommes des sacrificateurs. When we pray, lorsque nous prions, we intercede for others. Nous intercédons pour les autres. Hallelujah. When we are praying to God, lorsque nous prions Dieu, we are communicating with him, nous communiquons avec as lui a father,
En tant qu'un père. Not because you want a car. Pas parce que tu veux une voiture. Not because you want to eat. Pas parce que tu veux manger. Your father is not a wicked father. Ton père n'est pas un père méchant. All things belong to Tout you. Lui appartient. Hallelujah. He has given it to you. Il te l'a donné. You must take what belongs tu to dois you. Prendre ce qui When t'appartient. We are praying, Lorsque tu pries, we are entering into the throne room. Nous entrons dans la salle du trône. We are going to the room of nous our father. Allons dans la chambre de notre we père. Are talking to him. Nous parlons à notre He's père. Not dumb. Il n'est pas sourd. When you speak to him, Lorsque tu lui parles, he speaks back to il you. Te reparle en he retour. Answers you. Il t'exauce. If you don't hear it, si tu n'entends pas, it's because you have not tuned your spirit. C'est parce que tu n'as pas capté ton esprit. If you want to catch a news si tu veux on an FM station, avoir les informations sur une station FM and you don't tune it well, et tu ne captes pas ça bien, you hear noise, tu entendras du bruit, you don't hear the news. Tu n'entendras pas les But informations. When you capture it, mais lorsque tu captes 94.4 and you capture it, et tu captes cela, you hear the news. Tu entends les informations. If you're not hearing from God, si tu n'entends pas de la part it means de Dieu, that your spiritual antenna ça veut dire que ton antenne spirituelle has not been fine-tuned. N'a pas été bien captée. You have to tune it well. Et donc tu dois bien capter when l'antenne. We pray, lorsque nous prions, he answers us. Il nous répond. Listen to him when he Écoute speaks to you. Le quand Hallelujah. Il parle. When you pray, lorsque tu pries, find time to listen to trouve le temps d'écouter les instructions. The Holy Spirit in you, le Saint-Esprit en toi, will speak to you. Te parlera. That is why he came. C'est pour ça qu'il est venu. That's why the Holy Spirit came. C'est pour ça que le Saint-Esprit That's est venu. Why he's here. C'est pour ça qu'il That's est why là. You are celebrating Pentecost. C'est pour ça que nous célébrons he la Pentecost. Telling you that he's here. Il te dit That's qu'il est là. Means. C'est ce que ça veut dire. That is in you. Qu'il est en toi. That is working through you. Il agit au travers de that toi. Is speaking to you. Il parle. Il that te he parle. Wants you to listen. Et il veut que tu écoutes. That you are his partner. Que tu es son partenaire. So we are working together. Et donc nous travaillons ensemble. So listen to him. Donc écoute-le. For instruction. Pour qu'il te donne les instructions. But Jesus said when he comes, Jésus a dit lorsqu'il viendra. When that consolator lorsque comes, ce consolateur viendra. He will teach you. Et il vous enseignera. And guide you. Et vous conduira. To all truth. Dans toute la vérité. He will show you the il vous annoncera les choses à venir. That's why the Holy Spirit C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. We are celebrating C'est pour ça que nous célébrons la Pentecôte. Recognize his presence. Reconnais sa présence. Yeah, he came to show us il est venu nous annoncer les choses à venir. Il est venu nous enseigner la he vérité. Came to guide us. Il est venu nous conduire. That's why he came. C'est pour ça qu'il est venu. That's why we are celebrating. C'est pour ça que nous le célébrons. We must know why he nous came. Devons savoir pourquoi il est venu. Yes, and that he's staying with us forever. Et qu'il demeure avec nous pour toujours. He came to abide. Il est venu demeurer. With us. Venir rester avec nous. Forever. Pour toujours. And ever. Et pour toujours. Amen. 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 In John 14:16, he said, "I will pray the Father, and He shall give you another Comforter." Jean 14:16 dit, "Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Consolateur." Who will abide with you forever? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Yes, there was somebody who had to come and stay here forever. Il y a quelqu'un qui devait venir demeurer ici éternellement. That's why the Holy Spirit came. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. So why did the Holy Spirit come? Et donc pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? When there's a war. Lorsqu'il y a une guerre. And you defeat your enemy. Et tu vains tes ennemis. You take all the booty. Tu prends tout le butin. You destroy all those you can destroy. Tu détruis tout ce que tu peux détruire. But there are others who escape. Mais il y en a qui arrivent à s'échapper. Hallelujah. There are others who escape. Il y a d'autres qui se sont échappés. And so those who escape. Et ceux qui se sont échappés. Don't think that they will leave you at peace. Et ne pense pas qu'ils vont te laisser en paix. They always try to come back here. Ils vont toujours essayer de revenir. Hallelujah. So when you win the war, et donc quand tu gagnes la guerre, what is the strategy? Quelle est la stratégie? To maintain the victory, pour maintenir la victoire, they have to bring a detachment. Ils doivent envoyer un détachement. You are a military man, so you know. Tu es un militaire, tu sais. They have to bring a military detachment. Ils doivent emmener un détachement militaire. Well armed. Bien armé. To be able to protect. Afin de protéger. The territory that they have le conquered. Le territoire qu'ils ont conquis. Hallelujah. So they don't bring any weak person. Et donc ils n'envoient pas une personne faible. They bring the strongest person. Ils emmènent les plus forts. As strong and stronger than those they defeated. Fort et plus fort même que ceux qu'ils ont vaincus. So that they can be able to maintain the. Afin qu'ils puissent maintenir. Jesus came to destroy the et devil. Et Jésus est venu détruire le diable. Paralyze his work. Paralyser ses œuvres. Take the keys of death. Lui arracher les clés de la mort du séjour des morts. Take captivity captive. Emmenez les captifs. Restore us to our position. Nous ramener à notre position. Make us the king. Et faire de nous des rois. After that. Après cela. That kingdom must be maintained. Ce royaume doit être maintenu. So the Holy Spirit came. Et donc le Saint-Esprit est venu. To maintain the kingdom. Pour maintenir le royaume de Dieu. That is why he's here. C'est pour ça qu'il est là. That is
is why he's here. C'est pour ça qu'il est là. And he's here until Jesus comes. Et il est là jusqu'à ce que so Jésus revienne. The devil has no chance. Et donc le diable n'a the pas devil de devil has no chance. Il n'a pas de pouvoir. The Holy Spirit is here forever. Le Saint-Esprit est là pour to toujours. Maintain the victory. Pour maintenir la victoire. If we are celebrating Pentecost, si nous célébrons we la are Pentecost, celebrating the day nous célébrons le jour when the King of où le roi des rois to the earth est venu sur terre to maintain victory pour for maintenir us. La victoire for us. Pour nous. For us, pour nous, he came to maintain victory. Il est venu maintenir la victoire. So that de sorte que we continue to enjoy nous continuons à jouir our position de notre position on the throne sur le trône as kings en tant que roi and as priests et en tant que sacrificateur. We don't have to bother. Nous n'avons même pas à nous inquiéter. Someone who is taking control. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle. His name son nom is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. He has control. Il a le contrôle. That is why he came. C'est pour ça qu'il est venu. He came to preserve our kingdom. Il est venu préserver notre royaume. He came to preserve your life. Il est venu préserver ta vie. He came to give you protection. Il est venu te donner la protection. He came to provide security. Il est venu te donner la sécurité. He came to provide all your needs. Il est venu pourvoir à tous tes besoins and your necessities. Et à toutes tes nécessités. He came. Il est venu. That the life that Jesus has given de sorte you, que la vie que Jésus t'a donnée, you maintain, tu puisses la maintenir and you enjoy that et que life. Tu puisses jouir de cette the vie. Devil has no le way. Diable n'a pas as de place. As the Holy Spirit is here. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là en toi you, et avec toi, we are in control. Tu es au contrôle. Hallelujah. Oh, give the Lord a big clap. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. We needed someone like Jesus. Nous avions besoin de quelqu'un comme Jésus who has fought, qui a combattu and defeated the et devil qui a vaincu le diable to come and replace him. Afin de venir le remplacer. So he said, I'll pray the Father to send another comforter. Et donc il dit, je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur who is just the same like me. Qui est semblable à moi. He has the same authority il a like la même me. Autorité que moi. His name is the Holy Spirit. Son nom, c'est le Saint-Esprit. And he came et il est venu and I dwell amongst us. Afin de demeurer au milieu de nous. And before he's coming, et avant qu'il ne vienne, Jesus said to his disciples, Jésus a dit à ses disciples what disposition they must take la disposition qu'ils devaient prendre to receive the Holy Spirit. Afin de recevoir le Saint-Esprit. He says, you need it. Il dit, vous en avez besoin. I am going, je m'en vais. But you need something vous avez besoin de quelque chose that will position you, qui va vous positionner, that will give you power and authority, qui va vous donner le pouvoir et l'autorité, that will transform you, qui va vous transformer. Hallelujah. That will allow you to reign on this earth. Et qui vous permettra de régner sur terre. And his name is the Holy Spirit. Et son nom, c'est le Saint-Esprit. But before he comes, mais avant qu'il ne vienne, you have to wait for him. Vous devez l'attendre. You have to wait for him. Vous devez l'attendre. The disciples waited for him. Les disciples ont attendu. They obeyed. Ils ont obéi. Jesus told them where they should go and wait. Jésus leur a dit où ils devaient aller attendre. Yes, there was a particular oui, place il y avait un lieu précis. Where the saints are gathered. Là où les saints étaient rassemblés. In the church. Dans l'église. Everywhere that the saints are gathered. Partout les saints sont rassemblés. Lifting up our hands. Élevant les mains saintes. Praying to the God. Priant Dieu. Thanking him. Rendant grâce à Dieu. The Holy Spirit is present. Le Saint-Esprit est présent. So he said to them. Il leur a dit. I fought a battle for you. J'ai combattu pour vous. Everything is finished. Tout est accompli. The time has come for le me temps to est go. Arrivé pour moi de m'en aller. But. Mais. Go and wait. Allez attendre. Let's read. Lisons. Luke 24. Luke 24. En français, 24-46. Christ to suffer. Et il leur dit. Luke 24, verset 46. That it is written. Et il leur dit. Thus it is behoved that Christ to suffer. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait and to rise from the dead the third day, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour and that repentance and remission of sins should be preached in his name amongst all nations beginning from Jerusalem et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes the les nations à commencer par Jérusalem. The Holy Spirit came, le Saint-Esprit est venu that we may preach repentance, afin que nous puissions prêcher la repentance that we may preach remission of afin sins, que nous puissions prêcher la rémission des péchés in the name of Jesus, au nom de Jésus all over, par toutes les nations. Hallelujah. As we hear the word of God, en entendant la parole de as Dieu the Holy Spirit impresses in our spirit, tandis que le Saint-Esprit when we live here, parle à notre esprit we en quittant must share ici with others. Nous devons partager ça we avec must les tell autres others, come and nous listen devons dire to aux autres venez écouter come and listen to the venez word écouter of God, la parole de that Dieu together we may grow que ensemble nous puissions croître in faith, dans la foi that we'll be able to achieve the work nous puissions that Jesus accomplir gave l'œuvre to us. Que Jésus nous a donnée. That is the work that Jesus c'est cette gave œuvre-là us. Que Jésus nous a donnée. To share his word with de partager people. Sa parole avec to les invite autres. Them into church. De les inviter à l'église. To build together. Et de nous édifier to ensemble. Win souls. De gagner des âmes. And he says, et il dit, you preach this
beginning from Jerusalem. Et vous prêcherez cela à commencer and par Jérusalem. And he said, "You will be witnesses of these things." Il dit, vous êtes témoins de ces choses. We are witnesses. Nous sommes témoins. Because it has been revealed parce to que us. Cela nous a été révélé. We know it. Nous le savons. So we will tell others. Et donc nous pouvons dire aux autres. And behold, I send the promise of the Father. Et voici, upon you. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. And that is the Holy Spirit. Et c'est le Saint-Esprit. I send the promise of the Je vous envoie Father. La promesse du Père. That promise has come. Cette promesse est arrivée. That promise is on us. Cette promesse est en nous. That promise is in us. Cette promesse est en nous. But when he was speaking to them, mais lorsqu'il leur parlait, that promise had not la yet promesse come. N'était pas encore venue. So he told them, et il leur a dit, behold, I send you that promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Hallelujah. So the Holy Spirit came. Et donc le Saint-Esprit est venu. That we may be endued with power. Afin que nous soyons revêtus de puissance. That we may be endued with power. Afin que nous soyons revêtus de puissance. So today, et donc aujourd'hui, the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, we are celebrating the victory. Nous célébrons la victoire that Jesus got for us que Jésus a eu pour over nous the devil. Sur le diable. We are celebrating nous the victory célébrons la victoire of our restoration. De notre restauration. We are celebrating nous célébrons our kingship, notre royauté, our priesthood, notre sacerdoce. That's what we are celebrating. C'est ce que nous célébrons. We are celebrating nous célébrons that power ce pouvoir that we have been endued with. Duquel nous avons été revêtus. Hallelujah. If you don't know that you have been endued with si tu ne sais pas que tu as été revêtu de puissance before we leave here, avant que nous quittions ici you receive the power of the tu recevras la puissance du Saint-Esprit upon your life, sur ta vie in the name of Jesus, au nom de Jésus in the name of Jesus. Au nom de Jésus he said, tarry until you are endued with il dit power. Restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. That power is for us. Cette puissance that est pour nous. Anointing is for cette onction us. Est pour nous. That we might walk in that anointing. De sorte que nous puissions marcher dans cette wherever onction. We go. Partout où nous allons. Masako, a Christian that is not endued with power. Un chrétien qui n'est pas revêtu de puissance. Without anointing. Qui n'est pas revêtu d'onction. Will not enjoy the life. Ne va pas jouir de la vie. Will not enjoy the life. Ne va pas jouir de la vie. We'll learn this. Sometimes we have make mistakes in life. Souvent on fait des erreurs dans la vie. Because we take decisions ourselves. Parce que nous prenons les décisions de nous-mêmes. Yes. Oui. And after that. Et après cela. You say, God, why me? Tu dis Dieu pourquoi? Why have you abandoned pourquoi me? Moi? Pourquoi m'as-tu abandonné? God has not abandoned you. Dieu ne t'abandonne you pas. You counted on your own wisdom. Tu as compté sur ta propre sagesse. You did not count on the Holy tu n'as pas compté sur le Saint-Esprit qui est en toi. Because you are the headquarters parce of the Holy que tu es le quartier général du Saint-Esprit. He is in you. Il est en toi. He demeures in you. Il demeure en toi. So you consult him. Et donc tu le consultes. In everything that you en do. Tout ce que tu veux faire. Yield yourself to the Holy Spirit. Livre-toi au Saint-Esprit. That is why he came. C'est pour ça qu'il est that's venu. Why we are celebrating Pentecost. Et c'est pour ça que nous célébrons la Pentecôte. To bring to the awareness that he's here. Il te fait comprendre qu'il he's est là. With you. Qu'il est avec toi. He has not abandoned you. Et qu'il ne t'a pas abandonné. You have abandoned c'est him. Toi qui l'as abandonné. If you stay connected, si tu demeures connecté, you will be fruitful. Tu seras productif. You will bring forth more fruits. Tu vas produire beaucoup de fruits. Your life will be successful. Ta vie va réussir. It will be of an ending stream of victories. Et ta vie sera you will be filled with joy rempli de joie, une joie inexprimable. Victory to victory. De victoire en glory victoire. To glory. De gloire en gloire. Honor to honor. D'honneur en in honneur. Name of Jesus. Au nom de Jésus. The hour has come. L'heure est venue. Let us rise up. Tenons-nous debout. Let us pray. Prions. Let us receive a touch from the Holy et recevons Spirit. Un toucher du Saint-Esprit. Let's receive a touch. Recevons un toucher du Saint-Esprit. Je ne peux pas laisser yeah. Jésus. Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Non, 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 Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Non, 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 Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Écoute ça. Je ne peux pas laisser. Non, 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 mon Jésus. Je ne peux pas laisser celui qui donne la vie. Il est mon Seigneur, il est mon appui, il est mon soutien. Quand je suis en danger et que je crie à lui, il est là pour me secourir. Je dis non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Non, 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 non. Jésus. Non, 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 il est trop bon Jésus. Pour toi. Papa, pardon, non, faut jamais je le laisser. Je ne peux pas. Ah, son nom et un numéro de téléphone, de sorte qu'on puisse nous appeler en semaine
vous envoyez des textos, vous fortifiez dans le Seigneur. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Je le prie de me guider, me faire mal évoluer, me donne la force pour avancer. Avec lui je me sens si bien, je cesserai de repenser. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 20 38 52 34 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.